Il y a quelques mois, M. Patrick et son équipe étaient de visite dans notre centre de santé. C'est après avoir visité les différentes unités du centre qu'il nous a demandé après quels sont nos besoins en matériaux médicaux. On a essayé de lui exprimer nos besoins et après son départ, il nous a appelé pour nous dire bon, il va essayer de faire quelque chose par rapport à nos doléances. Et voici le résultat de cet engagement pris il y a quelques mois. Un don constitué de lits, de matelas, de draps et autres destinés au centre de santé de Ganvier. Après le chargement à Cotonou, la délégation a effectué le déplacement de la cité lacustre où attendaient déjà les bénéficiaires et le personnel du centre de santé. À la faveur d'une cérémonie simple, ces équipements médicaux ont été officiellement mis à la disposition du centre de santé dans la matinée du samedi 20 mars 2021. Nous venons aujourd'hui dans votre centre mettre à votre disposition, au nom de M. Patrick Kouassi, qui est un Béninois de la diaspora, un lot d'équipements sanitaires composé, comme vous le constatez, de 12 draps de liche, de 6 coussins, de 6 liches et de 6 matelas. Nous sommes en train de vous remettre ces équipements en son nom et au nom de ses partenaires. Ce geste du donateur avec l'appui de ses partenaires va réduire considérablement les difficultés rencontrées par le personnel et les usagers de ce centre de santé. Nous tenons quand même à remercier M. Patrick et son équipe depuis Paris et qu'on va faire très bon usage de ces matériaux qu'il nous a envoyés. Nous le remercions sincèrement parce que ces lits, ces matelas sont des matelas flambant neufs. Je ne peux que remercier et vous qui avez fait tout pour que le centre ait ses équipements. Parce qu'il y a eu assez de partenaires qui ont pris part ici et on leur a supposé des doléances. Ils n'en ont pas à réaliser. Maintenant, vous en avez fait ce qu'on n'attendait pas. Merci beaucoup. Dieu le tout miséricordieux va vous aider et que tout autre projet que vous allez écrire, vous allez réussir à tout ça. Les bénéficiaires ont saisi l'occasion pour attirer l'attention des visiteurs sur d'autres besoins du centre. Le donateur ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, mais avant, la délégation est partie de la cité lacustre, confiant d'avoir posé un acte très utile pour toute la communauté.